Voilà, RE pour l'épisode suivant, et il m'a donné un sabre laser. Ce qui est cool. Du coup, ça, on va pas s'en servir. Ça, on le garde. Ça, on va la garder. Mais on va prendre le sabre. Voilà. Je pense que ça va être le dernier épisode. Hein. Ouah, un sabre bleu. J'aurais préféré une autre couleur, mais... Oh well. Hop, on retourne là à la ville. Donc c'était bien inspiré de Yoda, ce petit perso. Parce qu'il nous donne un sabre laser. Hop. Ah, vous revoilà. Bien, bien, voyons-moi. La foire est sauvée. On ne brisera pas le cou. On ne brisera pas le cou. Je vous offre ce chapeau au village du fou. Partez maintenant, il le faut. J'ai des choses à faire. Car après tout, du village, je suis le seul fou. Pour l'heure, tout va bien. Lol. Cet objet semble extrêmement fascinant. Chapeau de fou, ouais, j'en veux pas. Et ça, c'est quoi l'anneau qu'il m'a donné là? Anneau de Carnia. Oh. Cet objet semble extrêmement À la fascinant. place de ça. Est-ce que je vends mes... Ouais, il faut que je vende ce bordel. On va vendre ce bazar. Voilà, ici. Bonjour. Hop, récupérons du fric. Et je commence à me dire que le bleu, on en a peut-être plus besoin. Hein. Ça éviterait de ramasser pas mal de merde. Merci beaucoup. Du coup, option. Jouabilité. Jaune ou mieux. Voilà. Terre maudite. C'est quoi la quête terre maudite? Ah oui, c'est vrai, il y a un souci avec sa terre et il veut savoir pourquoi rien ne pousse. Hein. Ou flétrit tout simplement. Spirly vous envoie? Normal que rien ne pousse sur ce champ. Il y a environ 70 ans, un cimetière se tenait à cet endroit. On dirait que les gens qui y sont enterrés ne sont pas contents d'avoir des cultures au-dessus de leur tête. Vous devriez aller voir le prêtre. Peut-être saura-t-il vous conseiller. Recherche. Là-bas, faudrait qu'on... Ah ouais, là, c'est post-frontière pour ici. On va déjà faire cette quête qui s'appelle Recherche. Veut que j'écrive une suite à son livre traitant des trolls. Cette fois, il veut décrire les élémentaires de terre. Je dois l'aider à en tuer quelques-uns des élémentaires de terre. D'accord. Donc, par là.
Ah voilà. T'en veux combien? Ah, il est pas mal ce sabre. Ne joue pas avec moi. Voilà. Je veux vivre. Par contre, Sacred ne m'écoute pas. Jaune au mieux et je ramasse encore du bleu. J'ai dû le ramasser par accident. Je ne pense pas qu'une ambulance soit nécessaire. J'en ai tué assez. Ne compte pas que je sois clémente. Ouais, c'est sans faire esprit que je les chope, donc ça dégage. Voilà. Oui, très bien. Je vois, ils sont aussi durs que la pierre, mais peuvent se mouvoir aussi légèrement que l'air. Regardez, la pierre est chaude à l'intérieur, les yeux sont en diamant, et des cristaux apparaissent sur les zones que vous avez endommagées. Oui, tout ça prend sens. J'en ai vu suffisamment pour l'instant. Ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Il y a rien que je ne réussisse avec éclat. Ouais, le sabre est pas mal. Il fait moins de bruit que l'autre en plus, j'ai l'impression. C'est tout bénef. Doit être par là, quelque part. Voilà. Et ensuite, hein. Maintenant que tu es revenu là, passe quoi? C'est fini? D'accord. Non. Ah bah je l'ai raccompagné, il est chez lui. Il est où maintenant? Il est juste disparu. Pareil, je rebote. Ok, bah faisons ça. Dans cette session, ouais, je vais essayer de pousser jusqu'à ce qu'on puisse finir complètement le territoire humain. Ça serait pas mal. Hop, on remonte. Sûr ça ferait une très grosse session, mais comme ça j'en fais pas pendant un moment et je ferai juste des vidéos découvertes pendant un petit moment et je reprendrai en janvier largement, hein, je pense. On verra. Pour l'instant on continue. Merci pour votre aide, je suis prêt à travailler maintenant. Ma plume est prête, ça grouille d'idées dans ma tête. Oh, pardonnez-moi, j'ai presque oublié votre récompense. Tenez, c'est pour vous. Ok.
Donc ouais, quand ça bug comme ça, il suffit de relancer la sauvegarde. Rufus, le prêtre du village. Un vieux cimetière, vous dites? Ce n'est pas un problème que l'on peut ignorer. Spirilli a été sage de chercher de l'aide. Si les âmes de ceux qui ont disparu ne veulent pas quitter leur dernière demeure, elles peuvent devenir assez désagréables. Spirilli a de la chance qu'elle n'ait abîmé que sa production. Tenez, prenez cette fiole, elle contient une potion de purification. Versez-la sur le champ, si tout se passe bien, les âmes des morts quitteront cet endroit. Ok. Voilà. J'ai répandu la potion sur le champ et je pense qu'il se passe quelque chose. Que voulez-vous? Nous ne bougerons pas d'ici. Cet endroit est à nous. À nous. Non. Il est pas à vous. Elia, il s'occupe de son champ. Enfin, remarque, il les voit peut-être pas, lui, les fantômes. Taper sur des fantômes avec un sabre laser, c'est un... Ça, un style, hein. Voilà. Vilain fantôme. Fantastique, vous avez réussi. À présent, je peux utiliser mon champ. Je vais commencer de suite. Voilà. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de défoncer des fantômes avec un sabre laser. Donc ouais, là si je calcule bien, c'est oui à la frontière. Mais moi je vais redescendre là et aller ici. Et là, par là. Je vais prendre ce chemin par acquis de conscience. C'est quoi ici? Le blacksmith. Ici. Une tour de guet. Ok, on va descendre par là.
sur ce chemin. Il y a des quêtes, effectivement. C'est qui, eux? Chasseur du culte. Là, il y a un croisement. Moi, je vais par là. Ah, c'est spécial, cet endroit. Il y a une un wall sombre. Fermier. Pauvre Marie, cela fait 2 jours qu'elle est disparue. C'est sûrement la secte noire qui la retient. La même chose est arrivée à la servante d'une femme d'une ferme voisine il y a quelques semaines. Nous craignons tous pour nos vies désormais. On dit que les adeptes de la secte tuent des gens pendant leurs rituels et aspirent leur vie. Si le quart de ce que racontez est vrai, que les dieux nous viennent en aide. S'il vous plaît, sauvez Marie s'il n'est pas déjà trop tard. Je vais déjà aller... Mais ouais, je vais faire ça. Mais déjà, on va aller jusqu'au monolithe de résurrection. Voilà. On prend ça. Ça permet de te libérer de tes chaînes. Par là. Je crois qu'il y a une quête là-bas dans le, au fond. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. C'est quoi celle-là? Le culte Pascal. Ah oui, c'est la quête. C'est la quête de Pâques, ça. Hop, un adepte. Bam. Il m'a surpris, cet éclair. Elle est là. Ça a l'air d'encore aller. Ah, elle a eu de la chance. Ouais, ils font des sacrés rituels noirs ici. Vous m'avez sauvé. Merci. Il n'y a rien que je ne réussisse avec éclat. Ok, faut que je la ramène. Voilà. Oh, vous avez sauvé Marie. Merci beaucoup. Prenez cet or, ce n'est pas grand chose. Nous sommes déjà humbles, mais vous l'avez amplement mérité. Vous savez, les quelques personnes toujours présentes ici n'ont pas envie d'agir. La plupart vivent dans la peur permanente des adeptes du culte. Certains les ont même rejoints, espérant ainsi être épargnés. Mon voisin, le fermier Toby, semble être de cela. Ce n'est pas un mauvais bougre. Vous pourrez peut-être l'arracher des griffes de cette secte. Toby, le débilus.
qui rejoint Daesh pour espérer être épargné. Lol, lol, lol. Il suffit de déménager ou de s'en aller d'ici et puis voilà. Chef du culte, tu m'en diras tant. Cet objet semble extrêmement facile. Défenseur de glace, qu'est-ce que c'est donc? Bizarre, ça l'a équipé sur moi, je vois pas. Eh ben, c'est où? Bizarre, bon peu importe. Ou alors c'est une rune comme ça? Non. Ouais, bon c'est pas grave. Toby, partez, quittez ce lieu. Rien ni personne ne peut arrêter la secte noire. Ils sont bien trop puissants et trop nombreux. Ils seront bientôt là et vous allez s'ouvrir. Pour la dernière fois, partez. Vous êtes solide. Peut-être assez solide pour affronter la secte noire. Mais ce n'est pas certain. Tuez 20 adeptes et leur engeance démoniaque. Alors je vous suivrai. J'ai envie de te prendre, toi. Et de te jeter dans le puits. Avec un sort de répulsion. Chinois, Tensei. Bam. Ah là là. Nous nous reverrons peut-être. J'ai envie d'y donner des claques. Allez, allons massacrer des adeptes du culte noir. Ni ni ni. Heureusement que ça pullule. Ça me facilite la tâche. Oh. 9 sur 20. C'est pas une très bonne note. Oh. 11 sur 20. Pas suffisante. 12 sur 20. Moi, ouais, j'ai juste la moyenne. 13 sur 20. Peut mieux faire. 14 sur 20. Ouais. 15 sur 20. 17 sur 20. Ouais. 18 sur 20. Oui. 19 sur 20. Superbe note. 20 sur 20. Fucking perfection. Voilà. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à vous revoir en vie. Avec votre aide, nous avons peut-être une chance de vaincre la secte. Je connais deux ou trois choses qui pourraient vous aider. Il n'y a rien que je ne réussisse avec éclat. Voilà ce que je sais. La secte a son quartier général dans un vieux temple. Tout est coordonné depuis ce lieu. Malheureusement, le temple est protégé par une barrière magique que seuls les adeptes peuvent franchir. Mais je sais comment la désactiver. Il y a une grotte cachée non loin du temple. C'est de là que là-bas...
C'est de là que la barrière puise son énergie magique. Désactiver la barrière pour entrer dans le temple. Ouais, c'est intéressant tout ça. J'admets. Du coup, je vais continuer cette quête. De la secte noire. Ouais, on peut pas passer là. Y a un passage là, mais je doute que ça m'aide. Ah si. Ah, ça m'a déverrouillé toutes ces espèces de petits chemins. Parfait tout ça. Ah, il y a même plein d'autres quêtes. On va les prendre en passant. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le cul de Pascal, mais on fera après. On va prendre les deux quêtes et ça sera bientôt la fin de l'épisode, ouais. Bon, prenons les quêtes. Voilà. Commerçant Ramenos. Bienvenue, je m'appelle Ramenos et je suis marchand. Ces derniers temps, les affaires ne sont pas aussi bonnes qu'elles étaient autrefois. Les impôts sur les échanges commerciaux ont augmenté et on ne gagne plus sa vie en commerçant honnêtement. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de venir dans cette région. La rumeur dit qu'il y a des nains qui vivent derrière ce tunnel effondré. S'ils sont vraiment là et que nous les trouvons, nous pourrions les convaincre de faire régulièrement des échanges commerciaux avec nous. Et notre commerce retrouverait des couleurs. Malheureusement, je suis coincé ici. Ces adeptes bloquent l'entrée de la grotte et je peux pas les passer. Pourriez-vous m'aider à éliminer ces adeptes? Je vous récompenserai pour ça. On verra. Plus tard. Ah, de l'énergie T. Essayons de rejoindre la quête là-haut. On est à combien? 28 minutes, ouais. Oh, l'a payé. Quel bonheur d'avoir une telle puissance. Je le déplace. Herbalé. Pitié, aidez-moi, je vous en prie. Ma jeune sœur et moi-même avons été enlevés par cette terrible secte noire. Ils ont sacrifié ma sœur devant mes yeux. Oh, la violence. C'était horrible. La plupart des gardes sont partis dans les bois à la recherche d'autres victimes à sacrifier. J'ai frappé l'homme qui me gardait sur la tête avec un bout de bois. Mais il est parti chercher de l'aide en hurlant. Ah non, j'ai frappé l'homme qui me gardait sur la tête avec un bout de bois, mais il est parti chercher de l'aide en hurlant. Pitié, ramenez-moi au temple avant qu'il ne revienne avec des renforts. Je serai enfin en sécurité. Ouais, t'es une priorité, toi. Et ouais, vu ce que t'as vécu, hein. Je veux bien comprendre que t'es pas une SJW, que t'es une vraie victime, pas contre, comme tous ces pseudo-victimes. C'est où que tu veux aller? Échapper à l'horreur. Quoi qu'il en soit, ce sera dans le prochain épisode.